Salut tout le monde, c'est Inafit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur une nouvelle série, donc sur Minecraft. La mode aventure, donc c'est l'épisode 1. Qu'est-ce que c'est que cette mode aventure en fait? C'est une aventure modée, hein, je pense que vous l'avez compris. Qu'est-ce que j'entends par modée? J'entends des mods comme Not Enough Item. Enfin, voilà pour ce que j'ai rajouté pas mal de... Oh tiens, j'ai le succès. Donc j'ai rajouté pas mal de mods. What, il fait déjà nuit? Non. Donc j'ai eu... Attendez, que je compte. Deux. Trois mods qui influent vraiment sur, sur le gameplay. Et... Un, deux, trois aussi. Quatre. Et quatre autres mods qui sont juste pour pouvoir mieux jouer. Donc j'ai tout d'abord Damage Indicator, hein, que vous pouvez voir, voilà, je vais vers le cochon, j'ai Damage Indicator. J'ai le mode Backpack, qu'on peut voir ici. Ensuite j'ai Bibliocraft, je crois que vous l'avez vu au passage, voilà, hein, tout, là c'est tout du Bibliocraft ça, et ça aussi. J'ai aussi Inventory Twix, voilà, hein, comme ceci. Not Enough Item, hein, pour avoir les crafts de tous les objets, hein. Par exemple, pas ça, mais les autres modes, je connais pas forcément les crafts. J'ai Optifine, hein, bon, bah, classique, hein, Optifine. Et Tail Special Armor, pour avoir des armures un peu spéciales. Donc, je vous expliquerai un peu tous ces modes au fur et à mesure. Je connais pas tout, hein, il y a des modes que je découvre, comme Bibliocraft, je l'ai jamais utilisé, mais bon, j'ai vu quelques vidéos là-dessus, je me suis un peu renseigné aussi. Backpack, j'ai essayé une fois, mais ouais, enfin, juste crafter un sac, quoi. Alors oui, voilà, les visseuses et tout, ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Hein. Mais quand je dis pas du tout, c'est j'en ai vraiment aucune idée. Et bon, on va tout de suite commencer. Je vais aller couper du bois. Hop, je vais éviter de sprinter, parce que même s'il y a des petits cochons... C'est quoi ça? Ok, d'accord. Je vais... manquer de nourriture. Hop, voilà, bois de boulot. J'ai pas précisé, mais mon pack de ressources est le Smooth Realism, hein, comme dans la Enya Storm's Adventure, hein. C'est le même. Ah ouais, c'est les, ça bug un peu là. Voilà. Hop. Je vais aller tuer un cochon. Attends, je vais cacher ça, ça c'est un peu gênant. Je vais poser ma table ici. Je vais me faire une pioche. Une épée. Voilà. Ensuite, viens par là, toi. Oh, ça fait du 5 de dégâts, ça. Oh, j'ai 3 côtelettes. Donc, j'ai vu qu'il y avait des vaches par là-bas. Ouais, il y en a plein. Cool. Parce que pour se faire des sacs, il faut du cuir. Donc, je vais aller leur faire un petit enclos, là, dès que j'aurai assez de bois. Voilà. Je vais juste tuer les cochons. Ah ouais, il y en a un paquet, hein. 2, 4, 6. Ouais, il y en a bien une dizaine. Reviens là. Tiens, faudrait que j'y aille par là. Ensuite, donc, je l'ai précisé, on voit plein de modes. Ah, viens par là, toi, je veux ta viande. Il y aura des défis sur cette aventure, donc si vous avez des idées de défis, n'hésitez pas à me les communiquer, vous mettez en commentaire, ou vous mettez un... vous envoyez un mail sur mon adresse mail. C'est tout précisé sur ma chaîne, hein. Donc eniafit87@gmail.com. Voilà. Je me suis un peu éloigné du spawn, donc je vais aller le noter. Noter les coordonnées. Bon, j'ai 20 côtelettes, c'est pas mal. Je vais tuer encore 2-3 cochons. Ouais, il m'en a donné qu'une, celui-là. Hop. Ah, lui aussi. Mais c'est de l'arnaque, il me donne qu'une côtelette. Oh.
Ah, voilà. Bon, allez, je tue les deux qui sont là. Bon, je tue celui-là et puis je retourne au spawn. Voilà. Alors. Bah, je vais aller miner un petit peu, hein. Voilà, hein, comme tout début d'épisode, il faut miner. Hop, je vais récupérer les pousses d'arbres par contre. Et oui, voilà. Parfois, il y a des petits lags. Même si là, je m'en sors pas trop bien parce que j'ai quand même 30 FPS. Quoique mes distances de rendu, hein, ouais. Je suis en lumineuse sombre. Je vais me mettre en vive. Ouais, ça influe même pas sur mes FPS, donc je m'en fous. Je prends un peu plus de cobble pour me faire un four et une pioche. Et une épée, enfin tout le tralala, quoi. Hop là. Je vais faire chauffer du bois. Je vais me faire un peu de charcoal. Quoique non, j'en ai même pas besoin. Parce que... J'avais vu une grotte là-bas, mais je vais aller voir par ici plutôt. Des champis, ça je récupère. Ça peut être utile, des champignons. Bah ouais, ah oui, les coordonnées, j'ai encore oublié. Alors, ou un Enderman, ne pas le regarder. Alors, F3, X. Alors, attendez que j'attrape un bout de papier. X-153, Y-71, bon c'est pas utile mais bon. Et Z-263, c'est bon. Hop, j'ai tout noté sur un petit carnet, hein, comme ça je ne perdrai pas les coordonnées. Hop, je vais pas en manger, je vais essayer de manger le moins possible, hein, pour garder un peu des côtelettes. Ah, voilà, une petite crotte par ici. Bon, je suis désolée si vous voyez pas grand chose. Attention, le premier mob. Fait combien de dégâts cette épée? 6. Ah, il a pété. Ça va me faire des blocs. Je m'en fous. Hop là. J'ai pas du charbon là pour vous éclairer un peu. J'ai du fer. Enfin, j'ai un fer. Il y a des mobs. Mort les squelettes zombie. Oh tiens, et le zombie il m'a looté un lingot. Oula, elle me fait peur cette araignée. J'entends une araignée, je sais pas où elle est. Hop, on prend le charbon. Je vais tout de suite faire des torches. Ouais, voilà, je fais pas mal de torches parce qu'il y a beaucoup de charbon. Voilà. Ensuite, on va remonter faire cuire les côtelettes. Quoique, je peux venir explorer par ici. Il n'y a rien. Ouais, ça descend par là. Il faudrait que j'aille voir ce qu'il y a. Là, ouais, ça continue. Bah écoutez, je vais sortir de la grotte. Je vais me faire l'archer là. Oh. J'ai pas eu un arc là, non. Donc j'ai un os, ça peut être pas mal si je veux de la bonne mille. Et après je vais faire une hache et je vais prendre plus de bois. Et comme ça, bon j'ai que un fer, c'est dommage, j'aurais pu en prendre plus. Et je crois que niveau armure, ça prend 5. Et ça, il m'en faut 4, il me faut de la poudre de creeper. Est-ce que j'ai de la poudre de creeper? Il faut que je tue du creeper. Ah. Voilà autre chose maintenant. Une hache. Voilà. Ouais, donc en fait, non, j'ai deux fers. J'ai dit une bêtise. Je peux pas prendre une côtelette là, voilà. Juste le coup de manger une petite côtelette. Hop. Donc là, je pense que je vais déforester un peu l'endroit, la petite forêt. Et je vais me faire une maison dans la plaine ou ici. Hein. Je vais voir ça. Peut-être
Peut-être dans le second épisode ou tout de suite, ça dépend si j'ai assez de bois et si j'ai le temps. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'exploite pas les modes, hein, mais bon, il faut quand même pas mal de ressources. Je vise le jetpack, hein, oui, parce qu'il y a un jetpack. Ça peut être pas mal, un jetpack, pour voler et tout. Ouais. Et il va déjà faire nuit. Il y a aussi un casque, un time helmet, qui fait avancer le temps deux fois plus vite. Ok, pourquoi j'ai fait ça? Aucune idée. Oui, voilà. Le petit cochon éco-critique! Oh, même pas. Champignons. Faudrait des champignons rouges, mais bon. Donc là, on commence à plus y voir grand-chose. Voilà, je continue. Je prends ça, je vais me faire... Je sais pas si je fais un petit abri en bois ou en bouse ou je sais pas en quoi. Je vais faire un abri, genre... juste pour passer la nuit. Et j'ai même pas assez. Ouais, je fais un truc tout pourri. C'est juste pour la nuit. Voilà. Ah, table de craft intégrée. Ça, c'est bien. La porte, c'est pas du gaspillage. Hein. On aura toujours l'utilité. Je vais me barrer. Je vais me faire un petit coffre. Pour ranger un peu les trucs inutiles. Genre, ça, je vais mettre mon fou. Ça, je mets en sécurité. Voilà. Un peu de nourriture, je vais garder que ça comme steak sur moi. Je vais poser le reste là. Et on va essayer d'aller farm un peu les mobs. Donc je suis en normal, hein, vous pouvez le voir. Tayo, tu ne me toucheras pas. Ah si. Le son est un peu fort, je vais voir pour le... Mince. Pour baisser un peu le volume. Bon, voilà, je mets 50%. Ouais, c'est déjà mieux. Je vais essayer de me faire du fil avec les araignées. Parce que le fil... Oh cool. C'est super pratique. Et en plus, je pourrais pêcher. Voilà. Il y a une grotte là aussi. Il faudrait que j'aille voir. Une vache. Ok. J'avais une flèche dans la tête. Et le bruit des mobs est fort aussi. Hein. Faudrait que je baisse ça. Wow, flippé là. J'entends un bruit de zombie à ma droite alors qu'il est devant moi, c'est bizarre. Mini zombie! Ah, tu crois que je t'ai pas vu, hein? Il est où? Ok, il a despawn. Ah non, il est là. Il arrive pas à monter la pente. Voilà. Coucou-truc. Hop là. Oh, tiens, mais ça loot bien le fer, hein. C'est le deuxième lingot que je j'ai depuis 5 minutes, là. Dans une dizaine de zombies, même pas. Oh, des araignées. Oh, non, 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 non. Ah. Non. Non. Je ne mourirai pas. Vous ne mourrez jamais. Ah, en fait, si. En fait, non. C'était chaud, là. Ouh. Je vais ranger mon inventaire. Je vais poser tout ça. Hop. Le fil en sécurité. Bon, je vais rester là un petit moment. Le temps de régène. En attendant, je vais voir... je vais regarder un peu les crafts. Ça sert à quoi, ça? Oups. Comment ça se craft? Une boussole, de l'or. Ok. Ça, je sais même pas à quoi ça sert. Mais voilà, donc... Oh, une glace? Non.
Seatback, annoncer un siège où je suis. Non, je suis pas trop. Tiens, ça se fait avec ça, mais comment ça se fait ça? Je vais prendre un truc. Ok, de la laine, dalle en bois. Alors, je prends les côtelettes, je régène, je vais y retourner. YOLO! Oh oui, un creeper! Non, tu ne pèteras... Oh putain! Dommage. Faudra que je rebouche les trous de creeper, hein. Je crois que c'est le deuxième... Non, c'est le premier à l'extérieur. Oh, du fil! Oh! What? Je crus que j'avais ramassé une pelle. Mais c'est pas moi qui ai tué les squelettes. What? Je me suis barré parce qu'il me restait un demi-cœur. Tiens, d'ailleurs, j'ai mangé un coup. J'ai mangé un bout, voilà. J'entends une araignée. J'ai tué le bouchon. Le bouchon. Qu'est-ce que je raconte? Elle est où l'araignée? Ah, je la vois. Coucou. Donne-moi ton fil. Voilà, je m'éloigne un peu. Je bute tout ce que je trouve. Et ouais, comment je suis méchant, moi. J'aime pas les petits cochons dans ton genre. Tiens, ça serait sympa que je trouve des moutons pour me faire de la laine, parce que faire de la laine avec du fil, c'est méga long. Je vais péter... Oh, un creeper. Ce coup-ci, tu ne pèteras pas. Yes! Poudre à canon. Mais bon, il m'en faut plus, hein, si je coule des os. Bon, j'en ai que une. Ah! What? Comment on enlève le... J'étais bloqué. Aïe, j'ai pris cher en plus. J'étais là. Ah ok, il fallait appuyer sur F. Ah ouais, d'accord. Bah non. Sérieux, il y en a partout! Cassez-vous! Laissez-moi tranquille. Quoique non. C'est bon, je récupère tous les blocs là. Je vais aller tuer ce creeper, quoique non, elle est loin. Ouh, one shot le cochon. What? Comment il m'a fait pour me faire tomber lui? Reviens là! Voilà. Alors, est-ce que j'ai beaucoup de fil? Ouais, 5, c'est pas mal. Hop là, moi je te saute dessus, je suis comme ça, moi. Hop là, t'es mort. Ok, pourquoi vous montez sur l'arbre? Mais ils sont cons les zombies. Bonjour, tu ne mourras jamais. Petit cochon, donne-moi ton steak. Je me fais lequel? Sud-droite ou de gauche? Sud-droite. Les deux d'un coup. Ah! J'ai plus d'épée. Je le finis à la main. Il va péter, et ouais. Oh putain, j'ai plus d'épée. Go à la maison. On me poursuit. Oups. J'ai plus sur une touche là. Ouais, c'est là, je sais pas. Voilà. En fait, faut cliquer. Je vais mettre un peu d'éclairage là parce qu'on y voit que dalle. Alors, une épée, oui, une épée, une épée, une épée. Hop. Comme ça, voilà. C'est mieux avec une épée. Oups. Voilà, donc ça va bientôt être le jour. J'en profite pour tuer les quelques araignées qui restent. Aïe. Voilà. Les zombies, les creepers. Hop là. Aïe. 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 Non, non, pas un mini zombie. Pas le mini. Putain, non, il y en a un autre, sérieux. 5 points d'attaque alors que l'épée en bois fait combien? 4 points d'attaque, ouais, c'est pareil quoi. Oh! Ah! Je prends cher des fois. Creepy, creepy, creepy! Hop là! Tu m'as donné... Oui, j'ai 3 poudres à canon.
Ce qui fait... Attendez, je vais tuer celui-là. Ouf. Il lui reste un PV. Oh, yes, yes, yes. Je crois que je peux me faire un jetpack. Il manque plus que du fer et c'est bon. Je vais rentrer à la maison. Attendez, je réfléchis parce qu'il m'en faut... 1, 2... Il me faut 3 poudres à canon et 9 fer. J'ai 5 poudres à canon. Attendez, je réfléchis au craft parce que je me rappelle pas bien. Il est où le jetpack? Ah voilà, ici. Alors, R, une roquette c'est 2 et 1, donc il me faut 2 roquettes. Et un jetpack middle c'est 5 et 1. Ouais, c'est bon. Ben je vais aller miner un petit peu. Je vais mettre... Ça, j'ai posé ça. Je vais aller miner. J'ai vu qu'il y avait une grotte par là-bas. Ou je sais pas bien où. Non, là. Ouais, voilà. Hop, je saute au fond. Bon, pas trop non plus, hein. Ok, un bug. Ouh. Attendez, il y avait du fer, là. J'ai besoin. Eh oh, l'araignée, tu viens pas me taper, ok? Ok, il faut que je monte. Oh, c'est pas très rapide avec une pioche en pierre, mais bon. C'est pas grave, je vais me miner ça. Hop, je crois que j'ai large... Je crois que j'ai largement assez pour faire... Ah. Non, c'est bon. Mais... qu'est-ce que... Ok, il y a deux creepers. Cassez-vous de là. Attendez. Le problème, c'est que la touche pour chercher et la touche pour inventory tweak, c'est la même. Et du coup, on voit rien. Et du coup, ça active... quand j'appuie sur S pour ranger mon inventaire, ça active la barre de recherche en bas. J'ai vu aussi avec Bibliocraft qu'il y avait des porteurs d'armure. Et je trouve ça assez sympa. Hein. C'est... ça peut être utile. Attendez, j'ai juste changé la touche du coup. Touche de tri, je vais mettre G. Non. Si, quoique... Voilà, je prends les champignons. Hop. Voilà. Et donc on rentre à la maison, on va faire fondre tout notre fer. Ok, il y a de la lave. Je me demandais pourquoi il y avait de la lumière, mais c'est de la lave, ok. On rentre à la maison, du fer, ouais, on en a 9, ouais, ça suffit parce qu'il nous en faut 9 et on en a déjà 3. On va pas en prendre trop pour l'instant. En plus, ça, on s'approche de la fin de l'épisode. On finira dans le prochain épisode. Hop. Ok, j'ai plus de charbon. Et bien moi, je vous dis à plus pour le deuxième épisode de la mode aventure. Salut, bye tout le monde !